Je peins pour partager mon admiration pour la beauté et la puissance des êtres humains et des animaux sauvages. Dans ma peinture, il y a un message d'alerte sur les risques de disparition à terme de la faune sauvage. Il y a aussi une invitation à prendre conscience de la condition de la femme africaine. J'ai vécu 3 années de mon adolescence en Afrique. 3 années d'émerveillement sensoriel et culturel. L'Afrique est en moi, elle transpire dans toute mon œuvre. Aujourd'hui, ce continent est malheureusement dévasté par les guerres et la crise climatique. Je me sens donc concernée par les dégradations qu'elle subit et j'en témoigne à travers ma peinture. Les animaux et les humains cohabitent sur notre planète en totale interdépendance. Malheureusement, les populations d'animaux sauvages sont aujourd'hui toutes menacées de disparition en raison des activités humaines. En les peignant, j'appelle à les admirer tout en incitant à les protéger. Les femmes africaines subissent encore aujourd'hui le poids des traditions. Je pense au mariage forcé, à l'excision et au manque d'éducation. Elles me touchent infiniment car elles se battent pour la survie dans les villes, les villages, les camps de réfugiés. En les peignant, je raconte aussi la richesse de leurs différentes cultures, leur beauté et leur courage. Ma peinture est résolument figurative et réaliste. Elle ne se veut ni abstraite, ni onirique, mais organique, c'est-à-dire avec une forte présence charnelle. Je peins dans une dynamique instinctive en utilisant beaucoup de matière. Et je porte une attention toute particulière au regard de mes sujets en les montrant empreints de tout un panel d'émotions les plus contradictoires. La puissance comme la vulnérabilité, l'humilité comme l'arrogance.